Dans peu importe qui nous sommes, on peut faire un geste, on peut donner des sourires. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent, quoi que ce soit. Ok les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans quelque chose que j'ai réalisé. En fait, j'ai participé à un événement en créant un teaser en 48 heures. Et il se trouve que mon teaser va être transmis dans tous les cinémas de Nice pendant 3 ou 4 semaines. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne occasion pour vous emmener avec moi pour la première diffusion de mon teaser. Normalement, il est déjà disponible sur ma chaîne, donc regardez les vidéos un peu avant et vous pourrez le voir. De toute façon, vous allez probablement voir un extrait du teaser dans cette vidéo, voire même tout le teaser parce qu'il est, il est carrément pas long. Donc l'événement, c'est la No Final Line. Et en fait, c'est un événement qui a pour but d'aider les enfants défavorisés. Le concept, c'est de faire 1 km pour récolter 1 euro justement pour les enfants. Et vous savez que moi, j'adore tout ce qui est caritatif, tout ce qui est dans l'entraide, tout ça. D'ailleurs, j'ai toujours ma cagnotte Litchi pour aider les enfants atteints de mucoviscidose qui est disponible. Premier lien en description. Et du coup, bah, ça me tenait à cœur de participer également à cet événement. Donc je vais y participer. Et pour terminer, pour ceux qui veulent participer à l'événement, si la vidéo sort à temps, c'est du 10 au 14 mai sur la promenade des Anglais. Je vais essayer de trouver une place. On se retrouve juste après. À tous. Ok, on va en direction du cinéma. On se retrouve tout de suite dès qu'on est dedans. A de suite. Donc, concernant la communication, bah, grâce à Marion avec ses films. Et vous avez aussi maintenant, depuis hier soir, la diffusion des trois films annonces à chaque séance, devant chaque film. Donc ça fait beaucoup. Et bah ouais, t'as vu non plus sur grand écran. Non, justement, j'aimerais bien, moi, j'attends ça. J'ai fait pour le cinéma en plus. Vous l'avez vu? Ah, ça fait plaisir. Non, moi, je l'ai vu en teaser, je vois pas bien, on est comme ça. Ah, bah j'espère le voir en grand, moi aussi. Merci, c'est gentil. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais fait mieux, mais pris de court. Ce qui est le patron. Et moi. C'est le rythme, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est dynamique. Ouais. Celui de Blue Pen Sheet, c'est celui-là? Ouais. C'est pas comme les autres, c'est. J'aimerais citer quand même tous les réalisateurs. Ok. Dire deux petits mots sur ça. Je vais voir avec mon agent et c'est bon. C'est moi ton agent. Bon, bah c'est bon alors. Transition. Même si c'est trois vidéos différentes, mais on va faire un break et on reprend la. Et merci. Le dernier, c'est le jeune homme qui est avec nous. Hein. Ah, ça tue au cinéma, c'est un truc de fou. Bon film. Et en combien de temps? Félicitations. Moins de 48 heures.
Mais j'ai fait des nuits blanches en fait. Ouais, j'ai insisté sur les boobs. Ah, mais moi je viens, je participe. J'ai ma propre cause et tout. Moi je cours pour les enfants qui ont la myco. D'accord. Bravo. Merci, c'est très gentil. Ah non, bah c'est normal. Surtout avec les images qu'il y avait, c'était pas évident. Ouais, c'est compliqué. En fait, j'ai fait le montage la première nuit et la deuxième nuit, j'ai fait que le générique de fin avec le truc dans l'espace, tout ça. C'est vraiment sympa le générique de fin. C'est très gentil. Viens nous voir pour qu'on puisse faire quelque chose. Trop flappant. Ouais, pas de souci. Hein? Pas de souci. Bravo. Ah, merci. Ah, j'ai pas pleuré. Hein? Le stress qui redescend. Pour te dire, moi quand j'ai vu le film, vraiment, tout de suite, c'est le tien sur lequel je m'ai accroché le plus. Enfin, c'est et majoritairement. Merci beaucoup. Majoritairement, tous les gens qui l'ont regardé, c'est celui sur lequel ils ont le plus accroché. Le mien? Ouais. Ça me flingue, en 48 heures, il nous a rendu. Oui, franchement. Justement, tu sais que si j'avais eu un mois, je te garantis. Ouais. Tu m'aurais donné les 3 minutes, j'aurais fait un film. Bah ouais, logique. Un film? Ah, je te jure, j'aurais fait un film. Pour l'année prochaine? Bah ouais, pourquoi pas. Tu m'en fais les 3. Hein. Moi, de toute façon, là, je compte participer. Moi, j'ai ma propre cagnotte pour aider les enfants atteints de mycoïcidose. T'arrives pas à vivre de ça? Non, pas encore. J'aimerais tellement, mais c'est très très compliqué. J'ai zéro revenu. Tu travailles dans une école? Non, je travaille, moi. Moi, j'ai appris tout seul à faire ça. D'accord. T'as une petite agence? Moi, je développe une chaîne YouTube dans le but, en fait, d'avoir une communauté pour pouvoir passer le message d'aider les enfants qui sont atteints par la mycoviscidose. Parce que je suis moi-même porteur. Ouais, du coup, c'est voilà, j'essaie de représenter par mon image et je suis souvent un peu emblématique en Spider-Man, on va dire. Je suis fan de Spider-Man et en même temps, c'est un peu symbolique parce que Spider-Man, c'est une personne qui se cache derrière le masque et que chaque enfant peut s'identifier à lui. Il n'y a pas de visage. Ça peut être tout le monde. Et au final, c'est ce que j'essaye de retransmettre comme message, c'est que peu importe qui nous sommes, on peut faire un geste et on peut donner des sourires. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent, quoi que ce soit. Au début, je sortais juste déguisé en Spider-Man et je faisais des photos et les gens, les enfants, ils étaient... Ah, mais j'ai vu. Je suis passé sur Nice ce matin. Ouais, je l'ai vu. Puis j'ai eu des idées en parlant avec mon frère et tiens, si je faisais un truc plus intéressant que juste faire des vidéos pour m'amuser, et j'ai essayé de développer ça et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, c'est bon. Faut que je bouge les choses, que ça marche ou que ça marche pas, le principal c'est d'essayer. Avec ça, j'essaye de récolter des dons. Tu nous un projet, tu nous soumets un projet, tu nous rédiges, nous on peut financer quelque chose. En fait, le but de ma cagnotte, c'est d'avoir assez de dons pour aller acheter des cadeaux pour les enfants. Et moi en fait, je veux aller dans les hôpitaux les redistribuer en Spider-Man. Bah tu vois là, c'est un peu l'association pour financer ce type de projet. Moi je m'en fous de l'argent, tout ça, je cours juste pour les enfants. Moi, Après, je fais ma vidéo derrière. Écoute, avec tout ce que tu as fait là déjà, déjà c'est normal qu'on finance, La réussite se partage. Donc c'est une réussite qui a droit aussi à... Allez-y tranquille quand même. Merci déjà de tout ça. Moi j'avais juste 1 euro de budget visé. Mon frère et moi on est atteint de la mycoviscidose aussi. C'est pour ça que j'allais te demander la raison. J'en parle pas trop mais on a une forme rare. Et du coup je voulais représenter l'image de la myco en allant moi faire... Tu veux faire ça quand? Après même si je le fais seul, que j'y arrive ou pas, le but c'est de montrer qu'on peut quand même se dépasser. Bah écoute, là, tu les auras. Mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais attendre. Pour les cadeaux, mais il n'y a aucun problème. Mais je sais pas si c'est facile d'accès ici, parce que j'ai pas trop de contacts pour arriver à l'hôpital, surtout dans le secteur de la maladie. La maladie, on peut. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est génial. Bah, voilà. C'est le truc le plus dur que j'essaye d'avoir. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est un truc de fou. C'est vrai? C'est incroyable. Là, j'ai bien fait de me donner à 100%. À bientôt. Donc là, je fais du contenu avec mes meilleurs amis et tout ça. Et j'ai l'OM. Ouais, je suis fan de l'OM. C'est pas bon? Non! C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Je peux le filmer? Ah, c'est incroyable. Alors, mais... Tu le connais? Non, mais c'est juste magnifique. Ah, oui. C'est le plus beau tatouage du monde, ça. Oui. Parce que je fais des vidéos react sur Marseille. Parce que je suis ultra fan de Marseille. D'accord. Mais ultra de Marseille. Ultra. Ah ouais, alors on va se comprendre. Mais c'est énorme. Il faut que je m'abonne à ta chaîne YouTube, là. Et ça, c'est mes vidéos Spider-Man. Voilà, les rediges. Je veux juste te remercier. Bah, merci à toi. Et félicitations, vraiment. Merci, c'est... Je prends trop d'émotions. Que dire?
C'était un moment humainement exceptionnel et une très grande fierté d'avoir mon nom diffusé dans un cinéma, bordel. C'était ouf. Et encore plus avec une vidéo entièrement réalisée par moi-même. Donc voilà, j'en suis très très fier. J'en dis pas plus, mais on va essayer de faire de grandes choses. Comment on se retrouve? Non, j'ai ma voiture ici. Bonjour. Ah oui, d'accord. Bon, passez une bonne journée et merci encore pour tout. Humainement, c'est incroyable. Merci pour le travail. Bah, merci à toi, c'était très gentil. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Tout le dialogue qu'on a eu, c'était exceptionnel. Au-delà du fait de juste regarder le teaser, j'ai très hâte de participer à cet événement. Je vous ferai une petite vidéo sur la chaîne, je vais peut-être y participer en le faisant en Spider-Man justement. Donc je vous rappelle que c'est 1 km 1 euro. Et voilà, le but c'est de faire le plus de kilomètres possible pour les enfants défavorisés. On se dit à la prochaine, on verra ce que ça va être la prochaine vidéo, je sais pas encore parce que plein de projets arrivent mais je sais pas lesquels vont sortir. Merci encore à ceux qui me suivent jusqu'à présent. Les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ah.